Bonjour à tous, voici le tirage pour nos amis Capricorne pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Alors, amis Capricorne, vous le savez, vous êtes donc comme les taureaux vous avez une énorme chance. Donc, en étant signe de terre en ce moment, comme les vierges aussi, vous aurez donc la chance parce que, déjà, grâce aux vierges, vous avez donc Mars qui vous donne une certaine volonté, une certaine niaque, bien supérieure à ce que vous avez d'habitude. Hein. Vous aurez l'énergie, une volonté de faire. Et vous avez donc Jupiter, la planète de la chance, qui est en taureau. Donc la planète de la chance, bah, ça favorise les coups de chance. Mais encore une fois, il faut en fait garder une attitude très positive. Voilà. Et ça, c'est pour Jupiter et pour Uranus. Uranus, c'est la planète de l'inventivité, la créativité, qui aussi va dans votre sens et veut vous aider tout simplement. Voilà, donc vous avez beaucoup de chance en ce moment, profitez-en à tous les niveaux. Alors, on va regarder au niveau tarot, donc 9 de denier avec la force. Donc on voit une période très porteuse, positive, agréable sur la période du 15 au 25 juillet. Pareil, une période quand même très de coupe, donc il y a des émotions, la famille, voilà, donc très importante. Ça, c'est sur la période du 25 juillet au 5 août. Alors, 5 au 15 août, des petits soucis, on pourrait dire, en liaison avec des déplacements. Voilà, donc bon, on va revoir ça en détail. Alors, sur la période du 15 au 25 juillet, le 9 de denier indique avec la force qu'en gros, dans tous les domaines de votre vie, ça devrait être une période finalement du 15-25 juillet agréable, plutôt relax. Il y aurait plutôt des bonnes nouvelles en rapport avec l'argent. Voilà, donc globalement, amis vierges, sur cette période, on pourrait même penser à des rentrées d'argent, une certaine stabilité financière. Et encore une fois, la force, c'est l'indication on l'a vu tout à l'heure, hein, de Mars, qui vous donne une énergie extrêmement positive. Voilà, maintenant, en ce qui concerne donc la période du 25 juillet au 5 août, on est sur l'as de coupe. Donc, beaucoup de choses en relation avec les émotions, les sentiments. Donc, est-ce que pour certains, tout simplement, c'est... En fait, l'association pendu as de coupe indique que finalement vous avez changé de regard sur une situation ou sur quelqu'un. Vous découvrez sous un autre angle et finalement, ça vous apporte certainement beaucoup de bonheur. Voilà, donc peut-être d'une situation qui était compliquée, désagréable, pas facile à vivre, elle se retourne pour vous en quelque chose qui finalement est très porteur d'émotions, plutôt agréable, et finalement vous passez de bons moments avec les personnes que vous aimez. Voilà, en gros c'est ça. Donc des sentiments très forts, peut-être qu'on vous montre tout simplement des sentiments et vous en profitez. C'est une période donc heureuse et assez généreuse. Voilà. Maintenant, la période du 5 au 15 août. C'est ce que je vous disais, des petits tracas, mais des tracas liés au chariot. Donc, on peut penser, voilà, des retards dans des déplacements, des changements à faire dans les déplacements, ou des déplacements qui ne sont pas vraiment comme vous le souhaitiez. Voilà, alors évidemment, c'est de l'ordre du tracas, hein, c'est pas plus méchant que ça, mais ça peut vous énerver copieusement, ça peut être des retards sur la route, ça peut être, voilà, vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Donc, essayez de rester le plus zen possible à ce propos. Voilà. Alors, donc ça, on l'a vu, c'est pour tout ça. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est au niveau donc, affectif, quand même, sur cette période globale hein, du 15 juillet au 15 août. Donc, l'affectif, le financier, le professionnel. Et on va regarder là-tout. Alors, affectif. C'est la justice. Financier, c'est le soleil. Et le professionnel, c'est le pape. Et l'atout, c'est le monde. Bon, on le voit encore une fois. La justice, c'est l'indication d'être droit dans ses bottes, d'être diplôme, de... En fait, cette période Capricorne, ami Capricorne, vous demande d'être honnête, droit,
avec vos proches. Il faut jamais rien dissimuler, faut tout dire. Même en fait, cette période va vous obliger à une certaine franchise. Voilà, donc c'est la première chose. La deuxième chose, au financier, c'est plutôt pas mal, final. Le soleil indique plutôt des choses assez positives au niveau financier. Au niveau, donc, on va dire, professionnel sur le pape. Le pape, c'est l'indication d'un certain savoir-faire, d'une certaine maîtrise. Donc, bon, ça se passe plutôt bien. Et votre atout, le monde, c'est justement une protection quand même. Une protection, en fait, de tout ce qui a rapport à l'étranger, des déplacements. Donc, vous voyez, même si sur la période, on l'a vu du 5 au 15 août, il y aura des petits tracas, globalement, ce sera jamais grave en fait. Voilà, ce sera de l'ordre du tracas. C'est tout. Voilà, donc on le voit, amis Capricorne, une belle période de vacances si c'est des vacances pour vous. Ou en tout cas, si ça ne l'est pas, c'est une période plutôt heureuse, agréable. Donc profitez-en bien. Et puis donc, je vous souhaite d'excellentes vacances si c'est le cas. Sinon, je vous souhaite le meilleur. Et puis, on se retrouve donc à partir du 15 août hein, pour de nouvelles prévisions. En attendant, donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires. Et à très très bientôt!